Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rejoindre nous sur channel pour nous entendre causer jeudi à jeudi 6 janvier 2022. Nous comptons là encore une fois pour nous capable porter pour nous bonnes informations. Mes amis, nous avons une nouvelle triste pour nous, c'est que nous avons des journalistes, des confrères malheureusement qui tombent d'une façon triste, pas mal. Pendant que y a fait travail qui s'est informer nous, chercher information pour nous informer nous, malheureusement deux jeunes, deux confrères tombés. Nous parlons de toute information sur ça. Et ensuite, nous parlons parler nous concernant Jovenel Moïse, qui est le premier petit Jovenel Moïse. Monsieur lui parler et lui expliquer dans quelle phase question justice pour Jovenel là lié. Et lui réagit tout sous arrestation Mario Antonio Palacios. Nous allons développer des points ça pour nous. Mais avant, bon pour un petit temps, comme d'habitude, pour me remercier nous parce que nous toujours like, nous toujours abonné. Merci pour ça. Nous besoin atteindre objectif ça pendant année 2022. C'est arrivé 100 000 abonnés. Donc nous même qui ça nous capable faire, nous capable partager vidéo nous sur Facebook, sur toute plateforme yo, une façon pour nous capable aider nous atteindre objectif ça. Mes amis, on nous commencer. Des journalistes ça yo qui a travaillé pour des médias en ligne, Wilgens Louisin ensemble avec John Wesley Amadi, deux messieurs ça yo yo tombé pendant que yo tap essayer faire une interview ensemble avec Neg Bandit Macakio. Donc c'est zone la boule 12. Malheureusement Neg ça yo tombé pas balle, selon ça, une journaliste qui était ensemble avec Negio fait qu'on est. Et t'assemblé tout, yo même mette 10 faits sous Negio. C'est situation, mes amis, une situation qui est vraiment compliquée à ton confrère nous, journaliste pareil nous, malheureusement, yo pas épargné à cause situation ça. Nous, est bandit dans zone ça, zone la boule, mette 10 faits sous monsieur ça yo, et yo tiré yo. Yo tire yo en vain après ça on mettait des faits sur yo. Pas oublier nous-mêmes nous t'ai aller chercher plus d'informations. Malheureusement, nous pas arriver monter dans zone la boule parce que son accès qui vraiment difficile et non seulement ça tout le temps gens tard. Reporter nous yo t'ai déplacé yo tal Thomas 25 dans commissariat après ça nous allons Pétionville, commissariat Pétionville là, en façon pour nous garder si yo te ka levé comme monsieur ça. Mais malheureusement, même policier yo pè et yo déconseillé nous pour nous monter et pour nous ta comme si al fait interview pour nous connaître qui ça qui passé. Parce que c'est vraiment compliqué mes amis. En tout cas mes amis, nous vraiment triste pendant que nous a parlé ensemble avec nous hein. Et nous voyons toute sympathie nous couper nous bien bas devant deux gros garçons ça qui tombé pendant que vous avez fait travail journalistique. C'est un peu grave pays pièce monde malheureusement pas épargné. Je ne capable ça pièce monde pas épargné mais monde qui a cherché information pour te ban nous yo pas respecté yo. Mes amis c'est comme ça bagay yo. L'autre information encore c'est concernant Jovenel Moïse qui parle. Monsieur fait en pile déclaration sur policier que Gary Aurélien lui-même dit à la guéo. Il fait déclaration sur ça. Et en plus de ça, il parlait sous arrestation Mario Antonio Palacios. Monsieur fait quoi que c'est un bon travail. Et il fait qu'on est tout. Il va envoyer une lettre par juge cap instruit dossier à Gary Aurélien pour faire qu'on est. Ça fait que il a policier ça. Mes amis, on nous sait comment que Jovenel Moïse lui-même n'a parlé dans micro radio télé Métropole. C'est de réagir sur Métropole. Jovenel Moïse, bonjour, merci d'accepter de réagir sur Métropole à l'audition hier de Mario Antonio Palacios, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendel, toujours un plaisir. Vous avez entendu la nouvelle comme monsieur tout le monde, votre première réaction c'est quoi? Alors, personnellement, c'est une excellente nouvelle. Considérant que la demande d'extradition de M. Palacios vers Haïti avait été refusée, et considérant aussi que le monsieur s'en allait librement chez lui, alors cette arrestation est un grand pas vers la bonne direction, je dirais. On s'en réjouit. Qu'est-ce que vous espérez alors? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, et Jovenel Moïse. Bonsoir.
Oui, qu'est-ce que vous espérez alors de cette arrestation et de cette première audition? Ben, écoute, premièrement, on veut avoir accès à l'information. Le document qui est disponible révèle que de nombreuses informations sont entre les mains des autorités américaines. On parle de documents électroniques, des photos, etc. Et alors, on veut avoir accès à l'information. Mes avocats sont en train de travailler sur le cas pour voir justement comment on va procéder légalement pour faire une demande, pour avoir accès à l'information, pour être présent à la table. Et il faut dire aussi qu'au nom de l'entraide judiciaire, nous espérons que ces informations soient communiquées au juge d'instruction. Et donc, on pense aussi que c'est une opportunité offerte à M. Palacios Palacios de dire toute la vérité sur son implication dans l'assassinat de mon père, le président. Vous avez dit que la demande d'extradition a été refusée. D'abord, elle a été produite par qui et refusée par qui? La demande d'extradition du gouvernement haïtien auprès du gouvernement jamaïcain pour extrader M. Palacios Palacios en Haïti, vu que le monsieur a été libéré, justement, c'est une preuve que cette demande d'extradition a été refusée par le gouvernement jamaïcain. Premièrement, nous, on avait transféré une correspondance au ministre des Affaires étrangères en copie conforme et avec le premier ministre, qui est le ministre de la Justice haïtien, pour les faire part de nos inquiétudes par rapport au contenu des documents demandés par les deux pays. Parce que ni la Turquie ni la Jamaïque, ils avaient fait des demandes de documents pour justifier l'extradition des deux personnes arrêtées. Eh bien, nous avons reçu une réponse du ministre des Affaires étrangères disant que les documents ont bel et bien été transférés. On le savait déjà, c'était de l'information publique. Mais nos inquiétudes portaient plus sur le fond, pas sur la forme. Oui, les documents ont été transférés, mais est-ce qu'ils répondaient sans faille à la demande faite par les deux pays? Nous avions des doutes. Nous n'avons pas de preuves, nous n'avons pas reçu les documents. Mais la libération de M. Palacios Palacios est venue nous confirmer nos inquiétudes. Donc, il s'est fait arrêter au Panama. Il était en route pour rentrer chez lui librement. Donc, il n'y avait pas d'extradition vers Haïti. Ça ne faisait plus partie de l'actualité. Alors, côté sécurité, est-ce que vous vous sentez beaucoup plus confortable que Mario Palacios Palacios soit aux États-Unis au lieu d'être extradé en Haïti, par exemple? Je pense que c'est une opportunité offerte à M. Palacios Palacios, comme je l'ai dit tantôt, pour dire toute la vérité sur son implication dans l'assassinat. Et je pense aussi qu'il ne peut prétexter n'être pas dans les meilleures conditions pour donner sa version des faits. C'est vraiment ce que je pense pour l'instant. Maintenant, et Jovenel Moïse, est-ce que vous ne pensez pas que les États-Unis peuvent s'en servir uniquement et ne pas rapporter les faits s'il le faut, donc communiquer les informations aux Haïtiens ou à Haïti, à la justice haïtienne de manière particulière? Ça va être exactement à ce niveau qu'on va devoir entrer en jeu. Comme je l'ai dit tantôt, il y a l'entraide judiciaire qui existe entre les deux pays. On va s'assurer avec mon équipe d'avocats qu'on trouve la bonne formule pour pouvoir légalement faire une demande d'accès à l'information et aussi favoriser l'entraide judiciaire pour que les deux juges puissent se communiquer sur le dossier, pour que l'enquête puisse avancer aussi en Haïti. Donc, on est là-dessus, on est vraiment là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, c'est une opportunité en or qui nous est offerte dans cette quête de justice. Jusque-là, dites-nous, jusqu'où vous vous êtes impliqué, la famille présidentielle évidemment, jusqu'où vous vous êtes impliqué dans les démarches? En fait, comme vous l'avez vu, c'est de l'information publique. Moi, personnellement, avec mon conseil d'avocat, je suis impliqué jusqu'au cou. On n'arrête pas de travailler sur ce dossier, tant qu'au niveau national ou qu'au niveau international. Nous n'arrêtons pas de mettre la pression sur le gouvernement haïtien, sur le système judiciaire haïtien. Et aussi, nous avons fait beaucoup de demandes aussi au niveau de la justice internationale, comme on a contacté le rapporteur spécial pour lui faire part d'une chronologie des faits pour que la communauté internationale soit bien informée comment avance la chose et pour qu'il puisse comprendre aussi que ça n'avance pas très bien. Jusqu'à présent, le 7 janvier prochain, ça va faire 6 mois qu'ils ont assassiné mon père, le président d'Haïti. Et je pense que vous avez cette information. Les Colombiens qui sont arrêtés en Haïti ne sont toujours pas auditionnés. Donc c'est quand même une blague parce que ce sont les présumés coupables. Et ce sont les témoins directs de l'assassinat. L'information dont ils disposent, le juge n'a pas encore accès à cette information. Donc c'est pour ça qu'on estime que l'arrestation de M. Palacios Palacios par les forces américaines, c'est quand même un atout
mais il va justement falloir utiliser, trouver la bonne formule pour pouvoir bénéficier de cette arrestation. Alors, on veut croire quand même que l'enquête avance, parce que selon les dernières informations, le juge instructeur Gary Aurélien a quand même relâché quatre policiers qui étaient pratiquement impliqués apparemment au niveau de cet assassinat. Mais bon, voilà, ils ont été relâchés. Comment est-ce que vous-même vous recevez cette nouvelle de la libération de ces quatre policiers notamment? Je m'inquiète, je suis très inquiet. Je me demande, est-ce que, comme vous l'avez dit, l'enquête avance, mais est-ce qu'elle avance dans la bonne direction? Parce que je pense que les informations que ces gens-là pourraient donner lors de leur audition pourraient amener à suspecter d'autres personnes ou à l'arrestation d'autres personnes, mais pas à la libération. Je ne l'ai pas trop compris. Mes avocats sont en train de travailler justement sur une correspondance pour le juge, justement pour lui demander de nous justifier les raisons justement de ces libérations. Nous avons le droit de comprendre, d'être informé en tant que partie civile des décisions du juge. Donc j'attends la communication officielle, mais comme je vous le dis pour l'instant, je suis très inquiet. Maintenant, pour finir, Jovenel Moïse, il y a Washington Post et plusieurs médias américains, s'il le faut, ont fait sortir des articles, citant des noms, s'il le faut, des noms haïtiens, s'il le faut aussi, dans le cadre de l'assassinat de votre père, feu le président, et Jovenel Moïse. Et vos informations, est-ce que ça prouve qu'il y a une sorte de coïncidence en termes, s'il le faut, d'identité, même dans ce que révèlent ces médias américains? Tout ce qui est dit aux médias doit être touché avec une pincette. C'est comme ça, je le crois. Je pense que cette enquête ne peut pas se résumer au niveau des médias. Il va falloir que le juge d'instruction va au fond de l'affaire, qu'il trouve toute la vérité. Oui, les médias peuvent nous donner des informations qui sont très importantes, mais il faut, comme je vous dis, il faut vérifier les informations. Mon équipe d'avocats travaille là-dessus. Ils sont en train de... Nous regardons tout ce qui sort dans la presse. Nous avons aussi une conversation, on va dire, privilégiée en tant que partie civile avec le juge d'instruction. On a le droit de lui demander des éclaircissements sur certaines décisions. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous allons continuer à faire. Mais je vous assure que cette quête de justice ne fait que commencer. Merci infiniment, Jovenel Moïse, d'avoir accepté de nous parler. Merci à vous. Bonne journée.